J'étais adolescente, puis c'était déjà ça. C'était, quand je dessinais adolescente, c'était les grands félins, les loups, les éléphants sont venus par la suite, les grands mammifères, les oiseaux de proie. Ça a tout le temps été ça. J'ai essayé d'autres choses, les visages un peu, les paysages, mais ça me satisfait jamais autant. Quand j'entre ici, je me sens bien. C'est mon endroit, mon refuge. Le bruit de la ville en bas, mes animaux, la vue sur le fleuve, la lumière, c'est mon petit coin à moi. S'il y a un moment fort dans ma carrière à moi, c'est ça. Je me suis retrouvée dans un cinéma il y a un an et demi, puis je voyais ce film-là, qui est magnifique, mais qui est vraiment troublant. Puis c'est comme si ce film-là avait été tourné pour moi. C'était très spécial. J'avais l'impression que j'avais rendez-vous avec mon destin cette journée-là. La terre vue du cœur, pour moi, ce n'est pas simplement le regard qui essaie de comprendre, le regard scientifique, mais c'est le regard qui essaie de sentir. Cette journée-là, j'ai compris c'était quoi ma voix. Puis j'ai compris que pour moi, l'art, ça ne devait pas juste être beau. Il fallait que ça parle, puis que ça parle fort. Mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider la biodiversité? De là est né mon projet sur la sixième extinction. Bien, les mots m'intéressent. J'ai tout le temps aimé ça, les mots, l'écriture. C'était, pour moi, on dit une image vaut mille mots, mais je pense que quand on les utilise bien, les mots aussi, ça peut faire naître vraiment des images très fortes. Puis écrire, que ce soit sur une page, sur une toile ou sur le mur d'une ville, pour moi, c'est comme lancer un cri. Puis le figé, là, dans le temps, c'est comme un cri qui se fossilise, qui va rester là pour toujours. Fait que pour moi, les mots, ils vont comme se fusionner avec l'animal, puis ils vont exprimer vraiment qu'est-ce que lui voudrait dire s'il pouvait parler. C'est encore temps de faire des bons choix, je pense. Est-ce que... on va écouter les scientifiques qui nous parlent très fort. C'est ça la question. Moi, je pense qu'on peut faire des bons choix. Il faut les faire parce qu'il y a des générations qui viennent après nous. Il faut faire des bons choix pour ces générations-là.